Bonjour à tous, dans cette vidéo, je voulais vous montrer 5 décorations de Noël à faire soi-même pour vraiment presque rien. Donc on va utiliser vraiment des objets du quotidien qu'on va recycler, récupérer. Donc pour la première décoration, il vous faudra du papier, de la colle et une petite ficelle. Donc dans un premier temps, je commence à créer des disques de papier. Donc je ne sais pas exactement le diamètre, mais en fait le diamètre fera vraiment la grosseur de votre boule. Donc plus vous voulez une grosse boule, plus il faut prendre deux gros cercles. Et moi je me suis vraiment pas embêtée, j'ai utilisé comme gabarit un verre. Ensuite, on va venir plier tous les disques en deux. Une fois que tous les disques seront pliés en deux, on va venir mettre de la colle au centre de chaque disque, comme on peut le voir là sur la vidéo. Une fois que tous nos disques seront pliés et collés, on va venir les coller entre eux. Pour les coller entre eux, on va faire deux rangées de colle, exactement comme sur la vidéo. Une fois que le tout est collé, on va venir former notre boule. Et donc pour faire cela, on va venir en fait coller notre premier disque avec notre dernier disque. Et donc on vient de cette façon-là former notre boule. Ensuite, on va passer à la deuxième décoration. Donc pour cette décoration, on va utiliser d'anciens rouleaux de papier toilette, des ciseaux, un crayon, de la corde et éventuellement une petite décoration à coller au centre. Donc on commence en découpant notre rouleau de papier toilette en petites bandes égales. Une fois que c'est fait, on va venir faire la robe de l'ange. Donc on va venir coller trois petites bandes du tube de papier toilette ensemble avec de la colle. Ensuite, pour faire les ailes, on va venir coller aussi trois petites bandes du tube de papier toilette entre elles, mais écrasées. Et on va aussi venir faire la tête de notre ange. Donc pour ce faire, en fait, on va venir utiliser une bande du tube de papier toilette qu'on va réduire de diamètre pour que le diamètre de la tête soit un peu plus réaliste. Et ensuite, on colle le tout ensemble, donc la robe de l'ange, les ailes et la tête. Donc une fois que c'est fait, on peut le laisser de cette couleur-là ou on peut le repeindre. Moi j'ai beaucoup de décorations couleur bois dans mon sapin, donc je vais vraiment le laisser de cette couleur là. Au centre, pour cacher un petit peu en fait tous les tubes de papier qui se rejoignent, on peut mettre une petite décoration. Donc moi j'avais en fait une ancienne guirlande avec des petits flocons, donc là je vais coller un petit flocon au centre. Et ensuite on fait un petit trou en haut au niveau de la tête pour pouvoir faire passer notre fil. Et voilà, notre décoration est terminée. Ensuite, pour la troisième et la quatrième décoration, pareil, on aura besoin de papier toilette, de ciseaux, de colle et de crayon. De la même façon que pour la deuxième décoration, on va venir découper des tubes de papier toilette en tronçons. Donc une fois que cette opération est terminée, on va venir coller nos tronçons de tubes de façon à faire une fleur.
Et donc là, une fois qu'on a fait cette fleur-là, on peut déjà s'arrêter là, et c'est ce que j'appellerai la troisième décoration. Pour la quatrième décoration, on viendra en fait ajouter des tronçons de tubes qu'on aura pliés en deux et qu'on viendra coller. Donc on en colle entre 3 et 5 petits tronçons de tubes pour effectuer comme un petit flocon en fait. Une fois que cette étape est terminée, de la même façon que précédemment, on peut soit le repeindre, soit le laisser tel quel. Moi, comme je vous ai dit, je vais laisser sur cette couleur-là. Mais voilà, on peut très bien le repeindre avec une couleur dorée ou argentée, et ça fera aussi très joli. Ou tout simplement aussi mettre un peu de colle dessus et le tremper dans des paillettes. Et ensuite, au centre, pour cacher un petit peu les jonctions des différents tubes, on peut coller, comme précédemment, un petit flocon ou une petite pièce au centre. Là, j'ai collé une petite pastille transparente au centre de ma décoration à chaque fois. Ensuite, pour la dernière décoration, c'est ma préférée. Il vous faudra un livre, une ancienne boule de Noël et de la colle. Donc, pour commencer, on va prendre donc le livre et on va le plier de la façon suivante. Donc, comme on voit sur la vidéo, on va plier vraiment la page en diagonale. Et ensuite, le petit bout de page qui nous reste, on va venir en fait le replier à l'intérieur pour pas que la page ne se réouvre. Et ainsi de suite. On va faire en fait sur l'épaisseur de livre qui nous convient. Donc au préalable, bien sûr, la couverture a été retirée. Une fois qu'on a terminé cette opération, qui est quand même assez longue, on va venir donc coller notre boule de Noël tout en haut. En fait, ça va faire la tête de notre ange. Ensuite, on va dessiner, on va découper des formes d'ailes. On va venir les coller dans le dos de notre ange. Et pour finir, on va venir faire un petit nœud pour le mettre au niveau du cou de l'ange, pour masquer la jonction qu'il y a entre les pages et la tête de notre ange. Et voilà, donc nos 5 décorations sont terminées. Comme vous avez pu le voir, elles sont quasiment gratuites. Elles ne prennent pas beaucoup de temps pour les réaliser. Et je les trouve quand même vraiment très jolies. Si cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a donné des idées, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. À très bientôt et joyeux Noël !